consécration aujourd'hui pour Dans ma télé. On visite le plateau de C'est juste de la TV, émission avec laquelle on nous confond régulièrement. On va rencontrer André Robitaille et toute la gang. Et c'est juste de la TV. J'ai toujours voulu faire ça. On est ici un peu pour montrer les coulisses de l'émission. Okay. Et on peut commencer en disant que l'émission, le vendredi soir, c'est pas en direct, c'est tourné l'après-midi. Oui. Et on tenait, par exemple, à tourner le show la journée de la diffusion pour être plus proche de l'actualité. Le journal que j'ai sur ma table, c'est le journal du jour. Oui. Et j'y tiens à avoir les journaux-là, même si je n'utilise pas, parce que pour moi, ça confirme qu'on est là en direct. Oui. On est à jour, du moins. Dans ma télé, on se fait régulièrement juger parce qu'on écoute tout. On passe nos vies à écouter la télévision. Et je me demandais, qu'est-ce que tu trouves le plus bizarre? Quelqu'un qui regarde toujours la télévision ou quelqu'un qui ne l'écoute pas du tout? Quelqu'un qui le regarde tout le temps. Ça, je trouve ça bizarre, mais hein, parce que c'est beau aller prendre une marche dans le bois ou en ville. Ah, et oui? C'est le fun d'aller faire du sport puis de lâcher la télé, d'où le titre de notre émission. Et moi, ce titre-là, il est dans ma tête depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que c'est juste la TV. Il y a des gens, là, pendant qu'on se parle, toi et moi, qui sont en train de greffer un cœur à quelqu'un qui sauve des vies. C'est juste la TV. Mm-hmm. Alors, je trouve ça bizarre, quelqu'un qui fait juste ça comme la télé. Tu es bizarre. Il me l'a dit. Allez, je vous amène en régie. Moi, l'animateur que je suis, je tiens à tout lire et à tout voir par rapport au sujet qu'on va développer. Je pourrais en faire un peu moins peut-être, puisque je ne fais que passer la poque, mais je veux savoir où est-ce qu'on en est dans cette émission-là. Les mardis, on a une réunion avec les recherchistes et tous les collaborateurs ici dans les murs. Et puis, là, on discute du programme à venir et des semaines à venir pour voir venir des fois. Tu remarqueras dans notre line-up qu'on a des sujets intemporels parce qu'on veut juste prendre l'avance. Aujourd'hui, on va parler d'infopub. Infopub, on pourra en parler la semaine prochaine, la semaine dernière. Ou tous les après-midi à TVA. Voilà. Oui. Alors, on veut parler de ce dossier-là depuis longtemps. Puis là, okay. C'est aujourd'hui qu'on le place. Le dossier s'est monté avec le temps. Les recherchistes ont pu prendre un peu d'avance là-dessus. J'aimerais juste dire qu'on vient de briser un mythe. Ce n'est pas un vrai loft dans lequel chez vous nous? Faites l'émission non, non, non. De télévision. J'ai une anecdote, par exemple. Ah, oui? On a le temps, là. Première année, on est dans un vrai loft. Okay. Qui a été décoré, mais qui avait ces murs-là un peu, OK? Tu comprends? C'est... Oui, exact. Et on est sorti de ce loft-là. On était proche du canal de la Chine, je pense. Okay. Et on est venu ici, dans les murs de RTV et Radio-Canada. Et puis, celui ou celle qui a fait le décor, je ne sais pas c'est qui, on lui a dit « Fais comme le loft ». Ils ont tout fait. Même les colonnes qui ne servent à rien. Une des portes qui ouvre même pas, qui ouvrait à l'époque, est là. Tout est là. C'est une copie conforme. L'émission vient de terminer. Et là, je me demandais, vous avez débattu avec beaucoup de passion tout au long de l'émission. Dans quel état d'esprit vous êtes après vous être obstiné comme ça là, pendant une heure de temps? Relax. Ah oui, on est comme juste, ça fait du bien. Relax. Ça fait du bien. C'est pas comme une chicane de couple. Il n'y a pas de procédé. Après, il ne faut pas aller s'excuser. Puis hey, je m'excuse. Puis non, ça c'est... Mais c'est le propre de l'émission aussi ouais. Qu'on veut entendre autour de ce table-là, je ne suis pas d'accord avec toi. On veut entendre ça de temps en temps, puis on a le droit de le dire. Puis c'est avec le respect de nos collègues et de nos invités et des émissions qu'on commente aussi, puis des artisans qui font le show. Pour nous, c'est ça l'esprit, je pense, au-dessus de cette conversation-là. Et tant mieux, si on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, c'est certain, mais il reste que on va toujours prendre un verre de vin ensemble. Oui. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est souvent dans les nuances. C'est beau, là, vous êtes comme réconciliés maintenant. Mais on n'est jamais en chicane. Non, c'est... Vraiment, c'est un peu dégueulasse comme on s'aime. Je pense. Ouais. J'ai envie de vous proposer un jeu, parce que souvent, on pense que Dans ma télé fait partie de la gang de C'est juste de la TV. Il y a une confusion là, qui règne. L'émission La galère est un coup de cœur et l'émission La promesse, ça ne fonctionne pas. Qui on serait autour de cette table? Ah, mais attends, là. Attention, parce que la promesse, c'est pas vrai que ça ne fonctionne pas. Elle a mis ça, là. Non, c'est vrai que la promesse ne fonctionne pas. Je ne suis pas une fan, j'aime mieux La galère. Mais on ne peut pas dire que la promesse ne fonctionne pas, non. Mais tu serais Lisa. Donc, ça serait moi, je serais Lisa, oui, parce que là, ça serait les deux, puis on aurait une grosse discussion entre les deux. Oui. Un coup de cœur, CA. Un coup de masse, Denis Lévesque. CA, vraiment, pour moi, cette saison-ci, là, coup de cœur. Ouais. De semaine en semaine, c'est encore meilleur. Les personnages torturés. American Idol, les auditions, ça, c'est un coup de cœur. Et tout simplement, Claudine, c'est un peu un coup de masse. C'est moi, hein, ça. Toi, c'est toi. Mais tu sais, Claudine, il y a des bons petits trucs de peinture dans le coin et tout ça, là. Des fois. C'est folle de ça. Puis, oui, American Idol. C'est oui, mais là, moi, cette semaine, je voulais que ce soit mon réparateur, mais apparemment, j'en ai trop parlé. Mais Ellen DeGeneres. Pas capable, un juge, American Idol. Vraiment pas. Merci beaucoup, c'est juste la TV. On continue évidemment à vous suivre et je vous laisse aller écouter la télévision. Merci. Merci de la visite. Merci.